Amen. Troisième des choses pour discerner la voix qui parle dans ta pensée. À qui est-ce que cette voix donne gloire? Amen. La voix que tu as entendue donne gloire à qui? C'est une chose très importante. La voix la glorifie qui? Donc quand j'entends une voix dans mes pensées, je dois me poser la question. À qui donne-t-elle gloire? Amen, amen. J'ai pris un exemple mercredi. À supposer que je veux me marier. Amen. Et j'entends une voix qui me dit, tu vas épouser un homme très riche. Amen. Maintenant, quand j'entends cette voix, à qui est-ce que cette richesse donne gloire? Je viens d'une famille très pauvre. Je viens d'un bidonville. Tout mon rêve était de fuir la pauvreté du bidonville. Maintenant, je comprends que la voix là est pour moi. Ou bien la voix là veut me glorifier. La voix là veut m'aider à fuir la pauvreté du... Non, je ne mentionne pas un quartier. Tout simplement bidonville. La voix là veut me faire fuir le ghetto. Donc la voix là ne glorifie pas Dieu, mais la voix là glorifie mes idées. Déjà, je peux connaître que ce n'est pas Dieu. Amen. Je vais te poser la question. Pour quelle raison Dieu viendra te dire que tu vas épouser un homme riche? Non, tu ne m'as pas suivi. Dieu gagne quoi en te disant que tu épouseras un homme riche? Non, il y a un silence. J'ai dit, n'est-ce pas? Il y a des... Je me souviens, un jour, nous étions à Douala. On avait une convention. C'est moi qui m'occupais de l'intercession. On a demandé pourquoi on gagne en tant que chacun écrit ses sujets de prière. Parce que je n'ai pas lu dans les sujets de prière. Je veux un homme grand de taille, beau, bien à regarder. Je veux un homme riche. Ça, c'est pour les gens qui avaient le besoin de mariage. Je veux. Les garçons aussi pareil. Une très belle fille finée, couleur. I want to ask you this question. En quoi est-ce que Dieu se glorifie en te donnant un homme beau? Puisque pour ce Dieu, la personne ne l'est. S'il y avait une personne l'aide, c'est de sa responsabilité. En quoi est-ce que Dieu prend gloire en te donnant un homme beau? Qu'est-ce qui d'abord fait la beauté d'un homme? Hello? En quoi est-ce que Dieu se glorifie en donnant un homme? Parce que la richesse vient de lui. Il peut prendre le pauvre. Il prend le pauvre du fumier, du fumier. Et il lui donne accès aux gangs de son peuple, devant les gangs de son peuple. Donc l'élévation ne vient pas de l'Orient, ni du désert. Mais Dieu est le seul juge. Il élève l'un, il abaisse l'autre. Tu vois que tous ces critères n'ont rien à faire avec Dieu. Tu devais comprendre que ce n'est pas Dieu qui te parle. Veux-tu un mari, tu te donneras un mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, peu importe. Amen. Et je vais te dire quelque chose. Je parle à toi, la jeune fille là. Dieu peut te dire que tu épouseras un homme riche peut-être. Mais le riche là que tu verras sera plus pauvre que tu ne penses. Et si tu l'épouses, tu verras qu'il deviendra riche. Amen. Et je continue à me poser la question, est-ce que Dieu véritablement peut-être que tu vas épouser un homme riche? Vous savez quoi? J'ai passé quand même, par la grâce de Dieu, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'ai quand même environ 18 ans d'expérience de pasteur. Une maman m'a dit, le gars-ci ne peut pas être l'époux de ma fille. Parce que Dieu m'avait dit que l'homme que ma fille va épouser sera un homme bien. Il va m'acheter un terrain, il va me construire une maison. Ce n'est pas celui-ci. Convaincu. Chaud.
Je dis, si c'est Dieu qui t'a parlé, c'est que peut-être il va être riche un jour. Gaïa. Ça ne peut pas être lui. Est-ce que tu comprends ça? Toutes ces voix-là ne viennent pas de Dieu. C'est qu'elle avait cette soif de quitter la misère. Et elle regarde sa fille et dit, si je n'ai pas pu, toi au moins, rassure-toi que tu amènes quelqu'un qui garde une belle voiture là-bas dehors. Amen. Donc pour savoir la voix qui parle dans ta pensée, pose seulement la question, à qui est-ce qu'elle donne gloire? Est-ce qu'elle glorifie Dieu? Est-ce pour tes intérêts ou bien pour les intérêts de Dieu? Amen. Ce n'est pas seulement les femmes, même les hommes. On avait un frère. Quand j'étais encore des jeunes ministres de l'Évangile, j'étais encore à l'école biblique. C'est dans les années 99. On voulait que Dieu nous élève. On voulait que Dieu nous élève. On prie, Seigneur, élève. Donne l'argent, donne la prospérité. À un moment donné, la prière d'un frère a changé. Et Seigneur, donne-moi une femme riche. Je dis, hey, frère, ça c'est encore quel genre de prière? Je dis que non, laisse. Tu ne peux pas comprendre. Je dis que mes frères, ça ne marche plus. Je dis que non. Dieu fait comme il veut. Dieu pour me lever, pour choisir, me donner une femme riche. Je te dis, il y a beaucoup de sœurs en Christ là-bas à Bonanjo qui ont l'argent. L'argent en train de passer, il n'y a pas le mariage. Et elles sont prêtes à épouser n'importe qui. Et vous savez quoi? Nous qui avions des enfants, je dis à toi, maman, je dis à toi, papa, si tu vois ton garçon passe beaucoup de temps devant le miroir, cogne sa tête là. Le frère aimait trop se mirer. Si tu as ton fils, je préfère encore que les femmes passent 24 heures devant le miroir, c'est leur problème. Mais quand c'est un garçon qui est en train de se regarder au miroir, comme seriously. Porte-le, quoi, va chercher. Tu peux garder ton silence, laisse-le devant le miroir. Tu vas le voir porter le pantalon qui arrive toujours ici. Aimant la propreté jusqu'à. Mais ne veut pas travailler. Jeune fille, écoute-moi. Les hommes prospères sont les hommes sages. Ne dis pas amen. Continue à acheter les jobala. Continue à acheter les gens avec la veste cravate. Continue à acheter la fraîcheur. Même s'il travaille, il aime la fraîcheur. Écoute-moi bien. Demande à tes mamans, elles vont te dire. Et pas à toi, jeune fille. Demande à tes mamans, elles vont te dire. Les hommes qui s'habillent beaucoup n'habillent pas leurs femmes. La salle silencieuse. Les hommes très frais là, qui mettent toute leur vie dans la fraîcheur, ont de la peine à prendre soin de leur maison. La fraîcheur qui fait là, ce n'est pas pour toi, c'est pour une autre personne. Aïdé, est-ce que tu es là? Et malheur à toi s'il perd son travail là. Tu vas aller vendre le coquille de ta tête pour venir le nourrir à la maison. Vous n'aimez jamais quand vous dites la vérité. Regarde comment vous êtes silencieux. Si tu veux, tu mets ça à la poubelle, ce que je t'ai dit là, ça va t'arriver. Mais si tu es sage, prends ça au sérieux. Une maman me disait que, en pleurant, que regarde, pasteur. Je me suis battu, j'ai fait telle chose. La maison, c'est moi qui me bats chaque jour pour qu'on. C'est moi-même qui me suis battu pour qu'on puisse acheter un terrain. C'est moi qui me bats chaque jour pour qu'on puisse crépir la maison même. Tu es venu à monsieur habiter la maison. Ça parle de ce qu'il est passé pour acheter une voiture. Je parle des gens qui sont dans le Seigneur. Que pour lui, qu'il a son crédit qu'il a pu prendre, il est passé pour acheter la Mercedes. Regarde-moi ça. Là où tu dois, ça ne te dit rien. C'est la voiture qui est quelque chose pour toi. Aïe des. Si tu veux, tu jettes la poubelle, ce que j'ai dit, tu vas me pleurer un jour. Je vous dis ça tous les jours. Personne ne dit amen. Si j'avais dit que ta vie va changer, dans les 24 heures, j'aurais eu déjà les offrandes prophétiques. Est-ce que tu as constaté que depuis que je parle de toutes ces choses, je n'ai jamais vu même 5 fois ici devant. Mais si tu dis que je vois le mariage, ta fille va se marier, les gens viennent, c'est que ça tombe ici jusqu'à. Si elle avait reçu un grand nombre de pas après le culte. Mais depuis que je t'enseigne la voix du Seigneur, les gens disent à l'heure que pardon, parle vite.
on danse là. La chorale, voyez-vous. Est-ce que tu es là? God bless the church in Jesus' name. Amen. Donc, je t'ai dit que à qui est-ce que la voix là donne gloire? Est-ce que la voix là vient pour satisfaire tes attentes égoïstes? Ou bien elle vient, tu peux avoir une attente, n'est-ce pas? Mais aussi longtemps qu'elle n'est pas égoïste, Dieu peut venir par cette attente. Amen. Donc la réalité repose beaucoup plus à qui est-ce que cette voix donne gloire. Est-ce qu'elle est là pour satisfaire tes attentes égoïstes ou bien là pour les attentes de Dieu? Amen. Amen, amen. Dieu peut te parler de l'élévation, mais Dieu te lève pourquoi? Par rapport à toi ou bien par rapport à lui. Amen. Dieu peut te lever pour que tu prennes soin de ta famille. Et quand tu prends soin de ta famille, tu en dépends, tu en glorifier Dieu. Amen. Mais si Dieu, si tu es en train de rêver pour avoir tes vestes multipliées, tes voitures multipliées, I don't know. C'est vrai que c'est dans une période de l'église où les saints, entre guillemets, sont reconnus par le nombre de leurs voitures, par le nombre de leurs vestes. Amen. Mais j'ai de la peine à croire à cet évangile. Quand Paul glorifie son apostolat, il ne parle pas de la luxure. Il parle de sa persécution. Des fois qu'on l'a fouetté, des fois qu'il a été en prison, des fois qu'il a été dans l'eau, ainsi de suite, il parle de sa misère. Donc cet évangile qui vient pour nous donner plutôt la luxure, j'ai de la peine à croire cet évangile. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas te lever, tu vas te lever. Mais si c'est ça qui devient le point essentiel de l'évangile, là nous sommes en train de faire fausse route. Amen. Dieu veut que nous soyons élevés, Dieu veut que nous soyons élégants, Dieu veut que nous soyons frères, toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais quand ces choses viennent prendre la place de Dieu, c'est là où il y a un problème sérieux. Amen, amen. Dieu peut te donner un avion pour sa gloire. Mais ne prends pas ça pour un standard de l'acceptation de Dieu. Amen. Dieu peut me donner un avion pour que ça te passe, pour te chasser devant lui. Parce que du jour au lendemain, Seigneur, donne. Il est déjà facile, il dit, pardon, prends, pas. J'ai arrivé, l'enfant devant toi, donne-moi. Après, tu dis, donne-moi pour lui chasser avec. Amen. Et Dieu peut donner encore cet avion même pour sa cause. Amen. Mais ce que je veux que tu fasses, que tu saches, c'est que ne prends pas le bien matériel pour que ça soit la raison pourquoi tu es devant Dieu. Amen, amen. Et ne prends pas ça pour faire croire aux autres qui n'ont pas, que Dieu ne nous a pas appelés. Et l'église est tellement bête. Je dis oui, l'église est tellement bête, irréfléchie, au point où tu ne comprends pas ce que veut dire être riche. Parce que quand un homme, si je te dis ça, même à toi qui me regardes, si quelqu'un vient ici, te dit que je suis un pasteur qui a trop souffert, j'ai trop souffert en tant que pasteur, et jusqu'au jour où je continue à me battre. Il prêche une bonne évangile. Il dit que venez s'aimer dans ma vie, vous n'allez pas sortir. Mais s'il te dit que, en te mentant même, qu'il a l'hélicoptère, je suis parti prêcher au Gabon, on m'a donné 2 voitures, 4 voitures, je n'ai même pas su ce qu'il veut faire avec. Je dis, viens s'aimer pour que la même grâce vienne dans ta vie. Tu vas aller prêter l'argent pour venir donner. Ne me regarde pas comme ça. Qui est ce riche qui prend aux pauvres? Un faux riche, un menteur. Le riche donne, le riche ne prend pas. Dans le monde, le riche donne. À l'église, le riche prend. Qui est ce riche? Un voleur. Tout ce qui te vante là, c'est pour prendre le peu qui te reste. Dis pas amen. Bill Gates ne prend pas, il donne. Pocho Bitor ne prend pas, il donne. Swan André, il y a mort, n'est-ce pas? Quand il vivait encore, il ne prenait pas, il donnait. Quand j'ai des fonctions, ne prend pas, il donne. Quand j'ai comme ne prend pas, il donne. Mais tes riches à l'église prennent ce qui reste. Les pauvres 1 000 francs qui restent à la veuve. Et on dit à la veuve que tu auras 10 maris qui viennent. Ils vont venir donner ça 100 fois. Te remets ce que tu viens donner 100 fois. Tu es là. Ne me regarde pas comme une créature étrange.
Regarde-moi, tu vas me pleurer un jour, je te dis ça tous les jours. Tu sauras que j'étais quelqu'un quand je ne serai plus là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certains d'entre vous, vous êtes des pasteurs, vous êtes des ministres de l'Évangile. Frère, même si j'ai donné n'importe quoi, ça c'est pour toi et pour ta famille. Prêche l'Évangile de Jésus-Christ. Prêche l'Évangile de Jésus-Christ. Can I say it again? Prêche l'Évangile du salut. Laisse la belle voiture que je t'ai donnée, laisse ton avion là. Mets ça hors de l'église avant d'entrer à l'église. Tu sais pourquoi ils ne peuvent pas parler de ça? Parce qu'avec ça, ils se servent de ça pour vider les gens. C'est la part. Pourquoi? Parce que tu es tellement bête. Tu es tellement... Je dis que... Je ne sais pas ce qui nous arrive. Pourquoi quand on vient à l'église, au lieu d'être intelligent, on est plutôt feignant? Et même Jésus avait dit que les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants du royaume. Quand un mendiant dans le monde, pour ceux qui vont à Douala Bonanjo, le mendiant ne vient pas devant toi n'importe comment. Le mendiant regarde d'abord si tu es bien habillé, si tu respires avant de venir devant toi. Pourtant la main, il ne va pas vers le pauvre. Amen. Parce qu'il sait que c'est là-bas que je veux avoir quelque chose. Maintenant, les enfants du royaume, ils ne donnent pas aux pauvres, ils donnent seulement aux riches. Non, une idée, tu attends. Donc, à l'église, pour que tu puisses recevoir de tes frères, même si tu n'es pas riche, il peut paraître. Une tu attends. Même si tu n'as pas, il faut pas. Il faut mentir même. Que j'étais avec tel président, j'étais avec tel président. Tel m'a donné l'avion. L'autre m'a fait voyager son avion privé. Il faut dire toutes ces choses dont tu n'as pas, mais il faut paraître. Et quand tu vas dire ça, les gens vont venir te donner. J'ai posé chez un ami qui ne veut pas mentionner le nom à Yaoundé. La première personne qui a intervenu avant que je ne prenne le micro, j'étais glacé. Et j'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand? Dieu m'a donné une voiture. C'était même une femme, mais ce n'était pas un homme. Dieu m'a donné une voiture. La voiture est comme un salon mobile. Pendant que je pense, tu commences à s'aimer pour que ça vienne dans ta vie. Et les gens s'aimaient. Quand il y a moins de personnes qui viennent, elles multiplient encore les témoignages. Elle m'a donné une valise d'argent. Et les gens donnent. Tu donnes à quelqu'un qui vient de recevoir une valise d'argent. Tu leur aurais demandé qu'elle te donne quelque chose sur ça. Et mon tour est arrivé. Et j'ai prêché. Il y avait des guérisons, frère, comme tu étais là. Mais personne. Même pour dire merci, même pour leur guérison, personne n'a mis quelque chose là-bas. Qu'est-ce qui devait se passer dans mon cœur? C'est ce que j'ai pensé. J'ai dit, Seigneur, je continuerai à prêcher cet évangile. Tournerai pas à gauche ni à droite. Et je vais te dire quelque chose. Sur le chemin de l'intégrité, le bonheur peut ne pas être vite manifeste, mais ça va venir. Ne dis pas amen. Ma vie va changer devant toi, tu vas voir. Et tu pourras dire à quelqu'un que mon pasteur n'a pas voulu faire ce que les autres font. Nous l'avons vu persévérer. Et un jour, Dieu est venu. Est-ce que tu m'entends? Et un jour, Dieu est venu. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas, toi qui enseignes, tu ne peux pas prendre un enfant de la sixième justement pour la terminale. Si tu le fais, c'est que ce n'est pas ton enfant et tu n'aimes pas cet enfant. Dieu t'aime tellement qu'il ne peut pas faire ça avec toi. Il va, avec Dieu, c'est le processus. Il va te mouler. Il va te toucher à gauche et à droite. Ça fait mal. Mais tu vas arriver un jour. Et quand tu vas arriver, il saura que quand je te vais lui donner, il va bien gérer. Même en commerce, nous qui sommes du gas fil, nous ne prenons pas directement 10 millions pour donner à un enfant. Les enfants, ceux qui ont les a donné, ont échoué dans les années qui suivaient. Mais les enfants qui ont commencé avec 100 000, 200 000, 300 000, sont montés progressivement. Ou bien les enfants qu'on a pris, on les a mis à la boutique, ils ont vu comment le père et la mère font pendant des années.
Il gère des millions, mais est-ce que tu ne peux pas avoir plus de 100 000 francs le mois comme agent de poche ou bien 50 000? Parce que moi, ça ne pas. Quand il grandit dans ça, il peut continuer. Amen, amen. Donc Dieu, un homme de Dieu me disait que Dieu lui a dit un jour, quand il se plaignait que Seigneur, pourquoi tu ne bénis pas tes enfants alors que c'est en béni tes enfants vite. Parce que regarde le port là. Il a regardé, tu sais pourquoi on ouvrit le port là très vite. Il a dit oui, parce qu'on va l'amener au marché jusqu'à ce que le diable vous nourrit les gens vite parce qu'il veut les emporter. Mais je ne suis pas le diable. Vous n'êtes pas les marchandises qu'il veut vendre. Aïe, vous n'êtes pas les marchandises qu'il veut vendre. Vous êtes mes enfants. On nourrit le porc vite, 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 vite. On pompe parce qu'on va aller le vendre. Est-ce que vous êtes mes enfants? Vous n'êtes pas mes marchandises. Aïe, est-ce que tu as compris quelque chose? Je ne sais pas si on peut rapidement prendre. Non, il est déjà 11. Je ne voulais pas. Pardon, soyons dans les mercredis pour qu'on n'ait pas à revenir sur des choses. Amen. Tiens-toi sur tes pieds.